Et salut YouTube! On se retrouve pour une game au shotgun où il y aura plus de 25 kills dans la partie. Je suis content, je vous explique un peu comment ça se passe, comment est-ce que cette arme extrêmement dure à manier. Mais on doit la jouer justement pour faire des grosses games très facilement. C'est un tuto, bon visionnage. Re-chat. Merci Titou pour le sub-gift au bouclier de chaud. On va changer de spawn les gars. Hop, on va faire un petit superstore, ça fait longtemps que je suis pas allé. Merci Warski pour les 10 mois. T'as une chaise ergo à recommander? Bah, j'ai la rect là, celle que j'ai là, elle est vraiment vraiment bien, tu vois, honnêtement. Et sinon il y a tous mes potes qui ont pu me parler de la Herman de l'OJJ. Le mec s'appelait I Love Cocaine. I Love Cocaine. Ah la Herman, vraiment c'est de la frappe. Hein. Il me manque pas grand chose les gars. C'est vrai. Je vais faire une game au petit pistolet les gars. Quoique. Oh quoique, je vais faire une game de sauvage en fait. C'est moi ou j'ai quand même bien pris feu? Tu vas tellement mourir d'une façon forte. Alors là? Vous pensez qu'il a déconnecté les gars? Sachant qu'on n'entend plus un seul bruit et qu'il était paralysé dos à moi. Il a déco. Soit parce que c'était un bon joueur. Il y a deux options là les gars. Soit c'est un stream hacker, soit c'est un très bon joueur. Et en le paralysant et en. Tu sais, en l'ayant brain, ça l'a saoulé et du coup il a déco. On va avoir un style de jeu extrêmement agressif cette game, je vous préviens. Donc on va. Allez voir absolument toutes les personnes du jeu, comme ça, grosso modo. Je vais aller mettre un trophy sur une bagnole et on va code rush les mecs. Hein. Les anciens savent ce que c'est un code rush, les nouveaux, vous allez découvrir ça. J'ai inventé ce processus, chat.
Attention, le drone n'a plus de carburant. On va là-bas pour ravitaillement. Un autre mec apparemment ici. Je pars par ici. Je voudrais taper le boucher, The Butcher. Les gars, je peux avoir un clip de tout ça. Je viens d'enchaîner 4 mecs en quoi, les gars? 30 secondes? C'est l'arme la plus forte du jeu, les mecs. Y a aucun mérite à tuer avec. Je vous assure. Vous pourriez tous ici en faire autant. SCV qui envoie 1200 bits, les gars. Est-ce qu'on peut avoir plein d'amour pour lui, s'il vous plaît? C'est pas des bambis, les gars. C'est juste qu'ils peuvent rien faire. J'ai une voiture avec un système trophy et l'arme la plus forte au corps à corps. Sachant que j'adore jouer au corps à corps. Genre, j'adore ça, c'est mon dada. Tu peux rien faire. T'as beau être le meilleur joueur du monde, tu ne peux rien faire. Vraiment. C'est la seule façon de me parer, c'est d'essayer de me paralyser. Macross. Ok. Il y a un mec caché ici. J'ai plus de système trophy. Dis-moi mec, qu'est-ce... Est-ce que t'as une technique pour parer ça? C'est... À part un autre shotgun en feu, tu peux pas m'arrêter avec ce truc. Vraiment. C'est bien trop fort. Bien trop fort. La distance, les gars, j'ai le véhicule pour réduire la distance, justement. Non, honnêtement, essayez de trouver une méta qui puisse arrêter ça. Bon, là, j'ai pas de système trophy, ma méta n'est pas parfaite. Mais sinon... Un IMBot, un lance-roquette. Ouais, un lance-roquette à la limite. Bon, lui, les gars, ça a l'air d'être un mec qui aime bien la fuite. Merde. Là, ce que j'essaie de faire avec la paralysante, c'est, vous vous doutez que ça sert à rien à cette distance, c'est j'essaie de lui utiliser les 4 slots de son...
de son camion pour faire sauter le trophy. Ah tiens. Mais apparemment il a droppé. Qu'est-ce qu'il faut ? Il a dit GG. J'ai 11 kills, il reste 43 remain. Donc tu vois si je... Ah, il a perdu son goulag. Donc vous voyez les gars, si je perds pas trop en rythme, etc. C'est très facilement une 25 kills ou quoi. On va continuer de farmer les kills. Je vous ai dit que c'était une game extrêmement brutale, donc je vais tenir parole. Oh bordel, Titou. Et Titou les gars qui envoie 10 subgifts. Est-ce qu'on pourrait avoir plein d'amour pour cet homme? Merci Titou mec. J'irai pour les 8 mois. Alors ça dit quoi? Bon, j'ai 2 kills en plus là-bas logiquement. Donc là je devrais monter à 14 si je veux faire mes kills. Technique avec le camion les gars, mettre le camion contre le mur pour monter par une fenêtre. Il s'attendait pas à ce que j'arrive de ce côté. Hop. L'autre il est en train de camper là-bas. Mais je trouve ça bien qu'il soit pas nerf ce shotgun, hein, parce qu'au final il est pas si fort que ça. Merci Alex. Putain, les 5 subs Alex, c'est beau ça. Y'a ton petit casque Logitech qui est parti. Ah, apparemment il y a un mec juste derrière moi. Bah c'est mon 15ème kill logiquement. Ah, soldat ennemi en approche, vous avez entendu? C'est un mec qui est retourné sur son loot. Là, on a un fantôme qui est en train de tirer. On drop ici, on glisse. On se backstab par une petite pute qui a pensé à dropper exactement en même temps que nous. Hop. Il avait un shotgun en feu lui aussi. J'aurais pu prendre mon temps, etc. Mais au niveau de ma vie, ça le faisait quoi. J'étais plutôt safe. Toi, ça c'est la méta. CR56 shotgun. Tu joues ça. La Doron en Gucci, gros. Le R9, c'est trop. Non, les gars, dites pas que c'est trop. Les gars, je veux pas entendre que le R9 c'est cheaté. Ah, attendez. Vous dites que c'est cheaté parce qu'il faut tirer qu'une seule balle dans la tête et qu'il y en a 14. Ah, mais non. Vous avez pas honte les gars de dire ça en vrai. On est bon pour honte qu'il y a un mec qui m'allume, mais comme un malade. Envoyez la reconnaissance tout de suite. Un drone arrive sur zone. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Tiens. Bébé. Tu aimais bien ta maison toi. Aucun va. On a 17 kills, il reste 18 personnes. La game est vraiment extrêmement intense. Chaque fight est compliquée. Je suis dépassé les gars par le niveau de skill qu'il faut atteindre pour utiliser ce shotgun.
et on va pourchasser ce truc. Salut, comment il va EG, le frérot? Donc les gars, imaginez, là vous voyez comment je les one-shot tous. Imaginez que j'arrive à survivre des fois. Je sais que t'es là-haut, celui qui a tiré. Imaginez les gars que j'arrive à survivre des fois à une dizaine de balles de R9 en feu. Imaginez la difficulté de ce bordel. Bon, ça raconte quoi? C'est un vrai mec ça vous pensez? Non, ça c'est un volant. Oh, j'ai pas envie d'y aller sur lui. Ah, lui ça pourrait être cool à la limite, si c'est un vrai point. Ah, c'est un vrai point. Vas-y, cool. Je suis le nez dans la map les gars. Ah, il est en train de traverser. Alors je vais dropper. Si je drop, je serai entre deux personnes. Un mec qui campe à gauche. Regardez, vous dropez. You sweaty little cunt, mate. T'as vu, en fait, pendant que tu drops, etc. derrière l'arbre, il sait pas que tu descends. Il a la vision du gros camion, il peut pas le voir. C'est un geste où tu es complètement dans son angle mort. Il ne peut rien faire, les gars. C'est même pas une question d'outplay ou quoi que ce soit. Il ne peut rien faire. Et on est quasiment aux 20 kills les gars, on papote, mais les 20 kills se rapprochent petit à petit. Hein. Sur ce game extrêmement intense comme on l'a décrit. La 30 kills, elle est possible, il faudrait juste qu'ils arrêtent de se tuer et elle est possible. Mais bon, ils arrêteront pas de se tuer, il y en a qui vont mourir du gaz. Tu connais, hein. Petit café hein, dans le Lord. Détends-toi, gros. Le dernier, j'ai limite envie de le tuer avec la joue. Alors, apparemment, on a un mec là qui est en open field. Hop, radez les gars. Hop, là vous avancez. Oh, la frappe de précision, il vient de se la mettre sur lui. Encore autant reculer, etc. Si j'étais lui, j'aurais couru vers les maisons. C'est pas ce qu'il a fait. Lui, il est parti se planquer vers la cabane. Donc, regardez les gars, ce qu'on va faire. On va passer. Hop, on va rien faire du tout. Il y a le gaz qui arrive. Il joue très bien. Il se défend extrêmement, extrêmement bien. C'est le premier bon joueur que j'ai. Il a fait ma technique de drop. Hein. Bon. Il avait très bien joué, c'est dommage. Mais respect à lui. Il a été excellent. Ah, dans une autre vie, vieux frère. Et c'est le 20ème kill qui est validé. Vous avez vu la technique de dropper alors que le camion avance? Tu t'y attends pas, tu laisses avancer le camion, t'as le mec qui drop, t'es en mode... What the fuck, il est où? C'est super bien joué. Envoyez la reconnaissance tout de suite. Alors apparemment, on a un petit joueur qui est là-bas. Ok. On va y aller, vite fait. Alors, on est sur une voiture sans système trophy. On s'en bat un peu les couilles. On va juste rusher partout. Si on explose, si on meurt, c'est pas grave. Je vous ai promis du sang, pas de la victoire. Tu sais que le feu ça brûle gros. C'était un collègue avec un shotgun en feu aussi. Ah t'es, vous avez vu le truc passer là devant? C'était un collègue, y a pas à s'en faire les mecs. Hop, ah t'es, il a un système trophy lui aussi, c'est son truc. Aïe 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 aïe, le véhicule. Oh là 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 là. Retournement de situation, personne s'y attendait. Donc là, le véhicule, là, il va essayer de me rusher. Pourquoi? Alors regardez.
suis dans la merde. C'est bon, j'en suis bien tiré. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a rushé comme ça, les gars? Parce qu'il m'a foutu un gros tampon à ma bagnole. Regardez ma voiture, elle a 10 HP. Parce qu'il m'a foutu un tampon, justement. Donc ce que je vais faire, c'est je vais lui balancer deux paralysantes, histoire de faire sauter le trophy. Et après, je vais accrocher deux thermites au niveau du conducteur. Il va devoir descendre. Et là, normalement, ben, c'est la fin. Là, regardez, il va s'arrêter bien. Oh. Paralyse les gars, c'est paralysé. Hop, dès qu'il y a encore deux maisons, il dégage. On reprend le camion qu'on a complètement canné, mais c'est pas grave. J'essaie de vous expliquer au mieux chacun des mouvements les gars, que vous puissiez les reproduire. Que ce soit pas vous qui vous fassiez viander par des mecs qui jouent exactement cette méta. Parce que c'est une méta les gars qui demande aucun niveau. Et pourtant le joueur le plus nul du monde peut se faire tuer par celui-là. Allez. Oh merde. Ça a pas déclenché le bordel. Tain, il est beau ce camion là-bas. Je vais aller le chercher. Thermite sous-côté. Moi j'adore la thermite. Mais c'est pas. On va dire c'est pas le stuff le plus efficace. Le stuff le plus efficace c'est la. La Syntex. La Syntex les gars, une Syntex bien mise, etc. Tu peux. En fait, par exemple, imaginez les gars, il y a quelqu'un. Je vais faire une petite démo. Imaginez quelqu'un est caché derrière ce caillou. Tu balances deux Syntex un peu en l'air, tu sais, qui retombent un peu tardivement. Tu pars sur la gauche, sachant que tu les as balancés sur la droite. Le mec va être obligé de se décaler. Et s'il se décale pas, il va mourir. Soit il meurt des Syntex, soit il se décale dans ton viseur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mec, il faut qu'on se déplace de ouf. Bon, toi t'as un peu trop roulé là. Hop. Hop là. Regardez là, il est parti dans le gaz, là c'est la sauce frérot. Bon, par contre il y a un mec derrière moi qui a essayé de me tuer. Il devait être en... Il est en mode fantôme, je joue ma vie depuis tout à l'heure, donc... On va essayer de le retrouver ce mec. Qui m'a tiré dessus, très discrètement. Alors, est-ce que c'est lui qui a allongé? Non, ça c'est un mort. Alors là on est sur du caillou et du mort. Ah, t'es là. Voilà. Toi, tu mérites pas de jouer. Oh shit. Ah bah, mec, toi, tu mérites pas de jouer dans ma partie. Hein. Le mec est allongé dans un bush. Lui, là, il... Hop. Lui, il veut juste jouer au camion, les gars. Hop, j'espère que ça va déclencher. Ah, ça a pas déclenché. Dommage pour moi. Je vais prendre une boîte de mun, histoire d'être sûr. Petit drone, petite frappe de précision juste ici, tiens. Et on va voir s'il passe dedans ou pas. Par tous les hasards. Non. Il passe sa meilleure vie. Alors j'ai 24 kills les gars. Faut juste que je détruise ce joueur camion. En gros, c'est un joueur qui met en priorité le fait de jouer. Vraiment en priorité le fait de jouer au camion. Pourquoi il est pas parti, ma terre? Putain de bordel! J'avais plus de thermite. Je pense que je vais essayer de me positionner, je vais balancer tout le stuff dessus. Il faut absolument que ça. Ah? Ok, j'ai l'info sur le dernier joueur. Il est ici. On va y aller vite fait.
prend notre petit kill. La zone se resserre. Il en a pas profité pour venir chercher mon camion. Et là j'ai plus aucun stuff. Donc. Et là ça va être son moment à lui où il va jouer extrêmement agressif. On a 25 kills. Allez. Là je temporise un peu ici. Hein, je l'oblige à passer dans le gaz. Donc on va faire une petite explication fin de game sur ce genre de joueur. Alors ce genre de joueur en gros joue vraiment sa vie dans le camion tout le long. Là, bon là ce qu'il vient de faire c'est intelligent tu vois, de mettre une frappe à dispersion. Et il nous supprime à tous les deux nos camions. Et en gros après avoir circulé dans tous les sens, il va vouloir jouer tranquille probablement ou quoi. Alors là, il voit pas. Je circule. Je vais prendre une cover tranquille. Genre cet arbre ça ira très bien. Je le ping, comme ça je peux me shield derrière l'arbre en attendant. Et là j'ai assez patienté. Je le paralyse. Petit gauche droite. Il déconnecte. J'ai gagné. Voilà comment on gagne une 26 kills au shotgun chat. Il a joué camion toute la game sans jamais descendre en essayant uniquement d'écraser les gens et il déconnecte à la fin. Ça dégage les gars. Ça dégage. Let's go les mecs. Et merci à ceux qui sont abonnés pendant la game. Yazoneta, bienvenue. Jofi Toutap qui envoie deux subgifts aussi, merci mec. Quelqu'un les 6 mois. Et pour vous les gars. Bon les gars. Bon, 26 kills parce qu'il a déco. J'aurais eu 6500 de dégâts. That's pretty insane, man. I don't even know. Awesome.